Bonsoir à tous et à tous. Oui, j'arrive pas à envoyer des trucs là. Je sais pas ce qui se passe avec Google là. Ils disent qu'ils ont des problèmes là, problèmes techniques. Bon, je verrai bien ça le 22 ou le 23 septembre. Hein. Voilà. Parce que je voulais envoyer des images à envoyer des textes au Jean-Paul Belmondo pour un hommage à Jean-Paul Belmondo. Je fais ça le 23, c'est pas le 23, mais tant pis, et je sais pas ce qui se passe avec Facebook, avec Google, mais bon. Voilà. Et donc, voilà. Maintenant, avant de démarrer la PCR, nous allons rendre une minute, nous allons faire une minute de silence pour rendre un hommage à Jean-Paul Belmondo, qui a fait 73 films, 34 pièces de théâtre, et qui a reçu une palme d'or à Cannes en 2011. Voilà. Et qui était un acteur, un comédien, un cascadeur et un directeur de théâtre. Voilà, merci pour cette minute de silence. Voici la suite de la pièce en forme de sketch Les Vacances. Alors Marcel, ouais, j'ai entendu aussi à la télé. C'est très simple. Ouais. Il va nous manquer Jean-Paul Belmondo, je sais Marcel. Même l'Espagne l'aimait. Hein? Et oui, ce soir, à 23 ans, le patron va jouer une musique spéciale pour rendre un hommage à Jean-Paul Belmondo. Ouais. La musique du professionnel. Ah ouais, hein. Ah, mais le faux, hein. Ah, c'est comme ça, hein. Il le faut, hein. Ouais, le professionnel. Ouais. Et ouais. Voilà, c'est comme ça, Marcel. Il va nous manquer, hein. Jean-Paul Belmondo. Il était bien, hein. C'est un chef d'acteur. Ouais. Et ouais. Il va nous manquer. À mon avis, c'est des trucs privés. T'inquiète pas. Je vais me renseigner. De toute façon, j'ai jamais entendu 2023 pour avoir des tout noms privés, c'est pas grave. De toute façon, il y aura bien son enterrement à ce moment-là. Donc voilà. Puis, c'est pas grave si j'ai du retard aussi. Hein. Ouais. Hein. Et ouais. De toute façon, il va nous manquer Jean-Paul Belmondo. Moi, je l'aimais bien. C'était le meilleur acteur et le meilleur. Ah oui, il était aussi réalisateur. Ouais. Non, pas réalisateur. Non, pas. Producteur, voilà. Il était producteur, ouais, c'est ça. Il était producteur. Jean-Paul Belmondo était un producteur de cinéma. Il était aussi un grand homme. Ouais.
et il nous a quittés aujourd'hui, à l'âge de 86 ans, à l'âge de 88 ans. Mais je continue toujours ma grève. Hein. Ça. Ouais. Si je parle pour mon nom, ce serait là, il me dirait, continue ton action. Voilà. Donc voilà, Marcel, donc, au retour, maintenant, dans la PC, alors, ça sa défaite, hein. Donc voilà. Et donc voilà, Marcel, ah, mais je fous. Ah, c'est comme ça, ah, ouais. Alors, aujourd'hui, à 20 h, à 19 h 30, la CBF, pas. Mais bon, on l'aimait bien, moi surtout moi j'aimais bien le Belmondo. Ouais. Alors rien, c'est comme ça, Marcel. Ah ouais, c'est la vie, hein. Ah non, c'est comme ça, on sait rien y faire, hein. Ah ouais. Oh, c'est comme ça, hein. Ah ouais, hein. Ah ouais, c'est l'avenir, hein. C'est comme ça, hein. Puis il y a des hauts, il y a des bas, hein. Ah ouais, hein. C'est comme ça, hein. Mais bon, il faut pas oublier que c'était un grand homme et il était bien. Jean-Paul va nous manquer, je sais. Et ouais. Il avait un AVC en 2001, mais le médecin a su le sauver. Aujourd'hui, il n'y avait plus personne pour le sauver. Mais bon, il va nous manquer, hein. Qu'est-ce que le temps? Moi, je suis encore jeune. Ouais. Bon, oui, il a vie d'un coup sec, mais normalement, à 80 ans, on peut être encore bien. C'est son AVC qui lui a joué un mauvais tour. Ouais. C'est comme ça, hein. Et voilà. La suite de la pièce théâtre en forme de sketch, les vacances, c'est pour demain. Maintenant, voici les aventures et les histoires de Jeannot et Jeannette. Alors, Jeannot. Raoul, pardon. Ouais, moi, ce soir, on va regarder des films ou des pièces théâtre, ou les deux, de Jean-Paul Belmondo, pour à Jean-Paul Belmondo qui nous a quittés. Trop tôt. Merci.
Il était déjà petit, il était déjà cascadeur quand il avait 6 ans. Ouais. C'était déjà un casse-cou, comme on dit. Mais il était bien, hein. Il était super. Il a dit à ses parents qu'il voulait devenir acteur et alors, déjà petit, il rêvait d'acteur. Il voulait devenir acteur. Et son rêve s'est réalisé. Il est devenu acteur. Il était devenu acteur. Non, voyez, madame, monsieur, mon rêve d'un métier, ça fonctionne pas. Eh ben, Jean-Paul, lui, il est arrivé qu'il voulait être acteur, il voulait être acteur, eh ben, il était devenu acteur. Même s'il est plus là, même s'il nous a quittés, acteur il est, acteur il restera, même s'il est plus là. Hein, Raoul, à moi, il le faut, hein. Jean-Paul Belmondo, ben oui, ben, oui, c'est bien. Oui, c'est aujourd'hui, on est en deuil, je sais. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Alors, Raoul, je suis en grève, c'est pas le moment de parler de la grève. Alors, je fais bien, mais c'est comme ça. Et ouais. Jean-Paul Belmondo nous a quittés et il était très jeune et il avait tout l'avenir devant lui. Il avait une grande carrière. 73 films, madame, monsieur, je vous dis que c'est beaucoup, hein. Et 34 pieds de théâtre, personne n'a pu arriver à faire plus que lui, hein. Hein. Sur Internet, vous pourrez trouver tous les hommages de Alain Delon, de Jean-Paul Belmondo, rendus par Alain Delon et rendus par Patrick Sébastien. Parce que Patrick Sébastien a rendu un hommage à Jean-Paul Belmondo et à Alain Delon aussi. Ouais. C'était en parole, c'était avec des écrits, avec un message écrit, mais bon, voilà. Ouais. J'ai aussi un hommage à la femme de Jean-Paul Belmondo. Et je rends aussi un hommage aux enfants de Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul, si tu m'entends, oh là là, on pense à toi, t'inquiète pas, on t'oubliera jamais. Et donc voilà. Et donc, Jean-Paul Belmondo, comme je disais, Raoul et Jean-Jean et Jean-Philippe Nicolas, c'était un grand homme. Et il était bien. Il était comme ça. Était comme ça. On va faire comme ça. Oh, la tablette, t'as bu ou quoi? Voilà. Il était comme ça. Bon, il était comme ça, et il était comme ça, parce que j'avais pas le faire sur les deux en même temps. Désolé. Voilà. Ça, c'est pour rendre un hommage à Alain Delon. Un cœur. Voilà.
Moi-même, c'est une petite une courte vidéo parce que c'est pour rendre un hommage à Alain Delon, à Jean-Paul Belmondo. Donc voilà. Alors, oui, voilà. Les aventures de Jeannot et Jeannette, c'est pour demain à 22h. Oui, c'est court, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, je fais ma pause cigarette, de toute façon, comme d'habitude. Voilà. Voilà, même Milou est en deuil, un Milou. Même si Milou ne l'a pas connu assez longtemps, moi je l'ai connu longtemps. J'ai tous ses films de lui. J'ai Le Professionnel. J'ai L'As des As. J'ai Pleurs sur la ville. Le marginal. L'animal. Le magnifique. Et sur mon décodeur, j'ai joué Spark avec Jean-Paul Belmondo. Que je vais essayer d'acheter en DVD. Madame, monsieur, c'est triste. Nous avons perdu un grand homme. Il était bien, Jean-Paul Belmondo. Moi, je l'aimais bien. On voyait qu'il. En 2021, ça n'allait pas bien, mais il a pu reprendre le poil de la bête, comme on dit. Et maintenant, c'est fini, il est parti. C'est son avocat qui annonçait le décès de Jean-Paul Belmondo. Ouais, l'avocat de Jean-Paul Belmondo. Pourquoi Jean-Paul Belmondo avait un avocat? Ça, on le saura, ça je vais me renseigner. Je vous dirai quoi demain ou tantôt, je verrai bien. Si j'ai le courage de le faire. Enfin, tantôt, je n'aurai peut-être pas le courage de le faire, de vous le dire. Enfin, je vais me renseigner, mais je vous dirai demain, parce que j'ai pas le courage. C'est trop triste. C'était un grand homme, Alain Delon. Un Jean-Paul Belmondo. C'était un acteur et tout, et tout, et tout, et voilà. C'était un grand, et il était bien. C'était aussi le copain de Coluche, de Thierry Leron, l'ami de Jean, d'Alain Delon, l'ami de Patrick Sébastien. Il est même venu, il était pas l'invité sur le plateau, mais l'invité invité à la table
de passer Sébastien dans le plus grand cabaret du monde. Jean-Paul Belmondo était aussi un grand homme, ça je l'ai déjà dit, mais aussi un grand cascadeur et le meilleur cascadeur que la Terre a connu. La nature nous a déjà envoyé quelques avertissements. Que je parle même dans... Ah non, c'est pas la bonne télécommande, c'est celle-là. Mais bon, ils disent rien sur l'heure, c'est bien, on va sur le truc. On va. Fiction, Non, rapido, c'est pas surf. ça. C'est le zoom. On va aller sur le truc français. Sur le truc français. Il disait rien encore sur le télétexte. Mais bon. Voilà. Jean-Paul Belmondo était le meilleur cascadeur. C'est lui qui a fait tous ses cascades dans ses films. Hein? C'est assez l'acteur le meilleur payé parce que pour faire cascadeur, il fallait avoir du courage. Et en plus, c'était dangereux, les cascades qu'il faisait. Donc c'est pour ça qu'il était très bien payé pour faire ses cascades. Voilà. Comme je vous ai dit, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour rendre un hommage à Jean-Paul Belmondo qui nous a quittés. Donc je vous dis au revoir et à demain à 22 h.